quand je suis engagé à la Légion et que me parlait de Deuxième Europe, il y avait les cœurs qui s'embrasaient, les yeux qui brillaient. C'est ça qui anime nos esprits. Ce mythe de l'étranger au service de la France qui vient offrir sa vie, son sang pour les concitoyens français, c'est quelque chose qui fascine. Il faut toujours essayer d'aller vers l'avant, il faut se dépasser de ses limites et je pense que c'est ça qui fait que cet régiment il est valeureux. La devise du régiment c'est More Majorum, à la manière des anciens, donc on travaille tous pour être à la hauteur des anciens et de continuer à faire rayonner le régiment à la hauteur de ce qu'il est. Le 2e régiment étranger de parachutistes est l'une des plus prestigieuses unités de la Légion étrangère. Déployé sans interruption depuis sa création, le 2e REP a été engagé dans toutes les opérations majeures de l'armée française. Ses faits d'armes sont ancrés dans l'histoire et connus dans le monde entier. À l'occasion des 40 ans de la commémoration de la bataille de Colvézi au Zaïre, nous avons rencontré la nouvelle et l'ancienne génération de légionnaires parachutistes, des hommes dévoués, habités par le culte de la mission, qui témoignent d'une aventure unique, avec toujours honneur et fidélité. Notre premier contact avec le 2e régiment étranger de parachutistes a lieu en Corse, à Calvi, où l'unité est installée depuis plus de 50 ans. Ce matin de février, le capitaine Henri, commandant de la 5e compagnie, réunit ses 150 hommes pour une dernière mise au point. Aujourd'hui, on débute l'exercice Altor Balanina. Le but pour nous, c'est bien de travailler les procédures et que chacun maîtrise ce qu'il aura à faire pour la mission de cet été en BSS. Dans quelques minutes, ces bérets verts quitteront le camp Rafali, la maison mère du régiment, pour 4 jours de terrain dans les montagnes corses. Pour cet exercice, ils seront accompagnés de sapeurs et d'artilleurs issus d'autres unités parachutistes françaises, avec lesquelles ils seront projetés d'ici 4 mois en Afrique, dans le cadre de l'opération Barkhane. Une nouvelle mission à inscrire à la longue liste des engagements du REP. Distance entre les groupes, vous mettez 20 mètres, distance entre la PAC 10 mètres et colonne double, dès que possible. Dès que possible, colonne double. Ouais. La nature a encore tous ses droits dans cette région du nord-ouest de l'île de Beauté. La végétation est sauvage, les dénivelés abrupts et le terrain particulièrement abrasif. Pour n'importe quel randonneur, la progression s'avérerait ardue. Pour les légionnaires parachutistes, le maquis corse n'a plus grand-chose d'effrayant. Chacun d'eux y a déjà usé plusieurs paires de chaussures de marche. Donc, une fois que ce passage sera libre, on vous enverra avec Granit jusqu'à l'Enferrata. Ah, sable de bien pris. Cette manœuvre est aussi l'occasion d'éprouver leur matériel récent, qu'il s'agisse de leur nouveau gilet de combat ou du fusil d'assaut HK-416 avec lesquels ils seront déployés. Aujourd'hui, là, pour la compagnie, c'est un exercice de reconnaissance d'une zone. Donc, le premier objectif, c'était s'emparer du col là où nous sommes actuellement, donc avec susceptibilité d'avoir des personnels armés ou non armés. Là, quand nous sommes arrivés sur le col, il y avait un personnel non armé qui était avec des appareils de transmission qu'on a capturés. Ce cas de figure ressemble très fortement à ce qu'ils pourront trouver sur leur prochain théâtre d'opération. À quelques mois du départ, l'objectif est d'appliquer l'ensemble des procédures qu'ils vont devoir dérouler là-bas. Et s'il y en a un qui est particulièrement vigilant, c'est bien évidemment le patron du régiment. Alors, on est en train de mettre à jour la situation tactique au départ du coup. Donc on est vraiment au tout début de l'exercice. Et on place les pions là où ils sont actuellement, de façon à pouvoir les suivre tout au long de l'exercice. Voilà. Donc c'est relativement simple pour l'instant. L'homme est serein. Avec déjà 6 opérations extérieures au compteur, cet enfant du REP, aujourd'hui chef de corps, connaît bien ses phases de rodage.
Il y a encore des réglages à faire et ça sera le but et l'objectif de la partie qui suivra, qui aura pour but de reprendre l'ensemble des incidents et les débriefer pour que chacun à son niveau puisse s'améliorer et bien comprendre ce qu'on attend de lui. Il sait aussi qu'il peut avoir confiance en ses hommes, des hommes qui se préparent continuellement au combat, une confrérie de guerriers d'un peu plus de 80 nationalités, à la fois disciplinées et audacieuses. Aux premières lueurs de l'aube, près du village de Belgodère, les légionnaires de la première compagnie, eux aussi en plein entraînement, lancent l'assaut qu'ils avaient méticuleusement planifié depuis la veille. L'attaque est rapide, un peu trop peut-être. Alors les évaluateurs décident de corser l'exercice. 3 minutes, ils arrivent. Ok, vas-y, tu fais les bilans complémentaires, c'est parti. Garrot, morphine, perfusion, le légionnaire touché est rapidement stabilisé par ses camarades avant l'arrivée du véhicule de l'avant blindé sanitaire. Comme le col est assez resserré, les éléments d'escorte de Véranité dépassent le col. Et ensuite, le reliquat de Véranité prendra à sa charge l'escorte du Vapsan quand il aura fait demi-tour et embarqué jusqu'à Tango Charlie 2 reçu. Le génie prend ensuite le relais. Chaque poste de combat est passé à la loupe afin de détecter d'éventuels engins explosifs improvisés, la principale crainte en opération. Puis les caches d'armes sont vidées et inventoriées. Non, juste 3 caisses, ils n'avaient pas eu le temps. Ok, donc une caisse, 1000 cartouches. Oui. 5, 45. Une bombe de décrypant pour armement. Et un sachet de poudre blanche. La prise est conséquente. Pour le commandant d'unité, c'est un bon début. Mes hommes sont en cours de préparation. La préparation n'est pas terminée. On monte tranquillement en puissance vers cette étape. Après, ils sont en permanence prêts à tout type de projection. C'est le cœur de notre métier. Il me faut tout de suite le mec. On va tout de suite le mettre à l'abri dans le JBC, okay, dans le VAB. Allez, Farkar. Dans quelques semaines, ils quitteront la fraîcheur revigorante de leur montagne pour la suffocante chaleur de la bande sahélo-saharienne. Tous n'ont qu'une aspiration, marcher dans les pas de leurs illustres prédécesseurs. Depuis sa création, le 2e régiment étranger de parachutistes a toujours été à la pointe des engagements de l'armée française, se distinguant régulièrement par sa maîtrise et sa puissance au contact de l'adversaire. Nous sommes fiers d'appartenir au 2e REP. Nous sommes les hommes des troupes d'assaut, soldats de la vieille Légion. Le REP, c'est l'exigence, c'est la dureté, c'est une vie offerte à la Légion étrangère, encore plus qu'ailleurs, dans une garnison où la vie sur une île, en hiver notamment, est relativement calme. Donc je dirais que le légionnaire n'aura pas grand-chose d'autre que sa vie de légionnaire, que son régiment, que cet attachement à la Légion et à son régiment. Donc c'est un don total, c'est quasiment une vie monacale, c'est un moine soldat en quelque sorte. Et on retrouve l'esprit aussi des postes isolés qui ont fait l'âme et l'esprit de la Légion étrangère. Quand vous étiez au fin fond de l'Algérie, au fin fond de l'Indochine, au milieu de la forêt, vous viviez avec vos camarades dans un isolement quasi complet. Et je pense que aujourd'hui, nos légionnaires et les légionnaires du REP sont peut-être ceux qui conservent encore le plus le
plus fortement cet esprit-là. Pour mieux comprendre le 2e REP, il faut remonter à ses origines. Il est l'héritier des traditions du 2e bataillon étranger de parachutistes, engagé en Indochine dès sa création en 1948, et ce, jusqu'en 1954. Il participe ensuite à la guerre d'Algérie, de 1955 à 1962, sous l'appellation de régiment. En 1967, il s'installe définitivement à Calvi et ne cesse de prouver sa valeur au combat, très souvent dans des opérations nécessitant des interventions d'urgence. À la rigueur de la Légion étrangère, les hommes du REP allient la fougue des parachutistes et se forge au fil des ans une réputation de redoutable guerrier. De l'Asie à l'Afrique, de l'ex-Yougoslavie au Moyen-Orient, ils seront de toutes les opérations extérieures. L'une des plus emblématiques est sans conteste l'opération Bonite. En mai 1978, 700 légionnaires commandés par le colonel Hérulin sautent en deux vagues sur la ville minière de Kolwezi au Zaïre, avec pour mission de sauver des Européens et Zaïrois pris en otage par des rebelles katangais. Chez les Bérets Verts, 5 soldats perdront la vie, 20 autres seront blessés, mais pour tous, Bonite est un succès. Des milliers de vies ont été sauvées. C'est ce haut fait d'armes que les anciens sont venus commémorer en Corse 40 ans plus tard, à l'occasion du 155e anniversaire du combat de Cameron au Mexique, la fête traditionnelle de la Légion étrangère. C'est donc, après la fin de la guerre d'Algérie, Kolwezi rappela au monde l'intérêt des opérations aéroportées, synonyme de surprise et d'efficacité au sol. Conduite le jour même de la bataille d'Ati au Tchad, Bonite peut être considérée comme le point de départ des opérations extérieures modernes résultant d'une volonté politique forte et d'un outil militaire bien commandé, équipé et entraîné. Cette opération au retentissement international, devenue un cas d'école pour militaires ou dirigeants politiques, aura grandement contribué à magnifier l'image du légionnaire parachutiste. L'opération Bonite, elle nous a surpris à tous parce que ça faisait plusieurs fois d'affilée qu'on rentrait en alerte guépard G1, on repassait en alerte guépard G2. Nous avions fait tellement d'exercices d'alerte qu'on n'y croyait pas du tout. Et quand nous avons vu arriver le chef d'état-major, là on s'est dit on va partir. Une fois dans l'avion, arrivé à Kinshasa, on s'est équipé. Et une fois équipé dans l'avion, on ne pense plus à rien. La porte s'ouvre, on s'en va. Et on pense pas du tout à la mort, on pense qu'à une chose, à arriver au sol, à récupérer le plus grand nombre de camarades possible et de faire notre mission. Le vœu a été relativement très, très... très, très vite, quoi. Entre le moment de l'ouverture et le moment de tomber au sol, on n'a pas le temps de dire ouf. Quelques mois après, des anciens sont venus à Calvi, nous ont parlé de cette opération et nous ont dit que cette opération était exceptionnelle. Donc je pense qu'on prend conscience de cette opération avec le temps, pas sur le moment. Quel est le succès de Kolwezi? C'est d'avoir choisi une zone de saut qui était en plein cœur de la ville, qui a surpris les rebelles qui étaient en train de massacrer les Européens et qui nous a permis d'intervenir immédiatement et de saisir les points clés. C'était le succès de la mission. Et c'est pour ça qu'on a coutume de dire, derrière le colonel Hérulin, qu'au premier soir, il a pu dire au président Giscard d'Estaing, mission accomplie. Extraordinaire.
Les légionnaires d'aujourd'hui sont conscients de ce glorieux héritage dont ils sont les dépositaires. Les opérations aéroportées les plus récentes gardent l'esprit du saut de Colvézi. Fin janvier 2013, dans le cadre de l'opération Serval, 400 hommes du REP sont largués de nuit pour libérer Tombouctou, la perle du désert malien. Deux ans plus tard, ils sont une nouvelle fois sollicités au nord du Niger. L'objectif de l'opération est de perturber les flux logistiques des groupes armés terroristes entre le nord Mali et la Libye. Il a fallu sauter de nuit, camoufler nos parachutes en les enterrant, camoufler nos traces, un peu comme des Indiens, mais véritablement, parce qu'on a affaire à des gens qui ont une maîtrise parfaite de cet espace, et le moindre indice, le moindre changement dans le paysage attire leur attention et éveille leur dispositif. On a dû s'enterrer et enterrer les légionnaires pendant plusieurs jours, pendant 4 jours, en attendant les convois. Donc il y a un vrai effet d'une tension qui s'installe, qui est sans doute celle d'un chasseur à l'affût. Le deuxième défi, il était logistique et physique, puisque nous devions rester 96 heures en autonomie, de vivre, d'eau, de munitions, de médicaments, dans une zone où la température montait au-delà de 45 degrés. Donc on a tous perdu entre 6 et 12 kilos dans cette opération. Ok, pour l'avion, bravo! Perception, on va donner les parachutes dans la housse. Cette pugnacité est une des marques de fabrique du REP. Un engagement total qui se transmet de génération en génération et qui suscite l'admiration au sein de la communauté militaire et bien au-delà. C'est bon. Ça reste quelque chose d'exceptionnel d'être au REP. Lorsqu'on évoque le REP auprès d'autres militaires de la régulière, les personnes que nous croisons ont une certaine forme de respect. Ce mythe ne peut exister, à mon sens, que s'il est incarné par les combattants eux-mêmes. Et je suis persuadé, pour les avoir côtoyés, pour les connaître, que tout légionnaire se sent investi de cette mission, est prêt à donner sa vie pour la France. Et nos parachutistes du 2e REP, justement, ont peut-être encore plus que d'autres cette conscience accrue de l'exigence de ce mythe qui leur est attaché. Ils ne se contentent pas d'être entourés de ce mythe. Ils vont vraiment tout faire au quotidien pour être à la hauteur de la confiance que les concitoyens français ont pour eux, mais aussi que les unités de l'armée de terre ont pour cette unité parachutiste. L'esprit du 2e REP, c'est aussi une profonde considération pour les anciens, à ceux qui ont forgé l'ADN du légionnaire parachutiste, car aucun d'eux ne quitte jamais définitivement Calvi. Notre devise, c'est « More Majorum », à la manière des anciens, et on puise nos forces dans l'histoire du régiment, l'histoire glorieuse du régiment, cette histoire qui a été faite, conduite par les anciens, avec leur sueur et également avec leur sang. Donc nos anciens sont effectivement très présents au régiment et ils sont importants pour nous. L'esprit traditionnel de légionnaire, il reste toujours ancré. Et dès qu'on franchit la porte du poste de police en bas, ben, on se croit vraiment légionnaire. Et on se croit encore dans le temps. Quand on dit que nous sommes une famille, c'est pas qu'un mot, c'est la vérité. Et c'est pas parce qu'il est parti hier, il y a 20 ans, du régiment, qu'il arrête d'être un légionnaire. Je dois beaucoup aux légionnaires et aux sous-officiers qui, tout en ayant été mes subordonnés, m'ont tout donné. J'ai été structuré, moi, et éduqué comme jeune officier par l'exemple, par le courage, la détermination, le professionnalisme de ces soldats exceptionnels. 1, 2, 3, écoutez-moi bien. 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez sauter porte de gauche, c'est bon? Donc vous allez mettre tous les poignets à droite. D'accord? Vous les autres. Aujourd'hui encore, la sélection est impitoyable pour rejoindre les rangs de ces quelques 1300 hommes au service de la France. En entraînement perpétuel, le régiment bénéficie en Corse d'un cadre exigeant et complet. C'est bon les gars? Allez, la main, petit foulée. Go! 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 Go!
Cette spécificité géographique lui donne aussi la particularité d'être le seul régiment de l'armée française à former ses personnels au parachutisme. Un ensemble d'ingrédients qui fait du 2e REP une troupe unique, dotée d'une redoutable force morale, à laquelle s'ajoute une profonde humanité.